Bonjour à tous. Voilà, on est amenés tous à se prononcer et on a tous un avis sur la fameuse couronne, sur le fameux virus de la couronne. Et alors, on n'est pas prophète. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont raves, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont goy. Mais tout le monde tout le monde ne parle que de cette couronne. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Bah, évidemment, tout le monde y a pensé, mais j'ai envie d'insister sur ça. Vous savez qu'il y a un texte dans la Gemara, hein, qui explique qu'à un moment, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes occupé de tout, de ma Torah, vous avez fait Avat Israël, vous avez fait tout ça. La chose que vous avez laissée, c'est ma malchoute, c'est ma couronne. Et cette Gemara, elle est un peu difficile à comprendre. Ça veut dire quoi qu'on a délaissé la couronne d'Hachem? Eh ben, d'une certaine manière, en fait, la couronne d'Hachem, c'est quoi? C'est de redonner, en fait, et de donner la couronne pour. Vous savez, une couronne, c'est comme à la. Avec cette fameuse galette des rois. Eh ben, il n'y en a qu'un qui mord dans la fève, et il n'y en a qu'un qui aura la couronne. Eh ben, aujourd'hui, on est en train de enlever la couronne de tous les gens. Et de tous les systèmes et de toutes les choses dont on pensait que c'était les rois, c'était ça qui dirigeait. Il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est la Torah, il y en a, c'est les grandes mitzvot, les petites mitzvot, tout ce qu'on veut. Chacun avait une espèce de petit roi en carton comme ça. Et aujourd'hui, on enlève la couronne, on enlève la roi, ces fausses royautés, et on laisse Dieu, comme au moment de la sortie d'Égypte, se couronner et nous couronner. Et cet événement de la couronne, c'est uniquement un scénario pour qu'on voit de nos yeux, et aujourd'hui tout le monde le voit, que la seule couronne réelle et le seul roi, c'est Hachem. Et donc, on est sûr et certain que de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, il a dit, je ne veux laisser personne s'occuper de mes enfants, je veux laisser personne s'occuper de cette mission de les sortir de l'exil, je veux m'en occuper moi et moi seul. Et aujourd'hui, grâce au virus de la couronne, on est en train de voir le couronnement du seul dirigeant du monde, du seul dirigeant, du seul producteur du monde qui est Hachem. Et comme d'habitude, il va nous faire un grand sourire à nous, son peuple, ses acteurs préférés. Et comme c'est écrit, soyez humbles, la délivrance est proche, tout ça je l'ai fait que pour vous, et à travers vous, je vais libérer Am Israël, tout l'homme Israël, et Mimeile, tous les goïms et tous les peuples de la terre. Et donc, je vous souhaite, je nous souhaite de pouvoir voir cet événement qui est le seul qui pourra rassurer le monde de façon concrète, de façon éternel et de façon définitive. Donc, bon couronnement d'Hachem.